Eh bien, salut tout le monde, CNC06, accompagné de mon petit frère. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, vraiment une vidéo hors sujet, puisque c'est pas du Battlefield 3 comme vous avez bien vu, hein, bien entendu. C'est donc un autre jeu, c'est Super Smash Bros. Melee, un jeu de Nintendo qui est paru sur GameCube. Donc ça fait un moment, je me rappelle plus la date exacte. Donc un super jeu. Juste précision, hein, je n'ai plus cette console, donc je joue sur émulateur sur mon PC. Donc avec là, j'utilise des manettes d'Xbox, hein, pour jouer. Moi et mon frère, donc. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous montrer un peu le logiciel que j'utilise pour émuler, donc pour jouer à des jeux de GameCube, tout ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voudrez que je fasse une vidéo dessus pour savoir comment je fais. Donc voilà, enfin bref. Donc là, c'est vraiment une vidéo détente, hein, vraiment sans stress et tout, en live bien sûr. Et donc pour vous divertir. Et donc juste pour vous dire, pour ceux qui connaissent pas ce jeu, tout simplement, ben, c'est un jeu de combat. Un jeu de combat qui peut accueillir jusqu'à 4 joueurs sur le même écran. Donc c'est 4 joueurs maximum qui peuvent jouer, qui se combattent donc pour essayer de s'expulser en dehors du ring. Tout simplement. Et bien sûr. La petite particularité en plus, c'est que c'est que des personnages de l'univers de Nintendo. Donc là, juste comme ça, il y a Mario, il y a Bowser, Peach, hein, bien sûr on a reconnu, il y a Fox, il y a l'univers de Zelda avec Link, il y a Pokémon aussi. Pokémon ici, Pichu, Pikachu, Rondoudou. Bon, il nous reste encore d'autres personnages à débloquer, mais bon. Vous avez bien vu. Donc vraiment là, sans stress, on va commencer. Donc on va mettre 5 vies. Hop. On va mettre les autres joueurs. On va faire un match donc à 4. Moi je vais prendre un autre personnage, Thomas. Je vais prendre et Docteur Mario, mais je vais prendre en noir. On prend ceux-là comme les autres CPU. Bon, ok. Donc moi je suis Dr Mario, Thomas, c'est donc Thomas mon petit frère, et Mario, hein, et on a mis comme ordinateur Pichu et Askumber. Ok, allez, c'est parti. Donc on a 5 vies chacun. Et le combat est... Bon, les niveaux des ordi, on les a mis élevés puisqu'on est quand même assez habitué. Oh Thomas, oh! Donc on est, je disais, on est assez habitué à ce jeu. Il est assez fort. Donc on les a mis au niveau maximum, à savoir 9. Ça fait mal ça. Pas de précision aussi, vous avez pu voir qu'il y a des objets qui apparaissent de temps en temps sur la map. Donc ces objets, on peut les balancer, ils ont chacun une petite particularité. Ça peut être des pistolets. Oula, je me suis éjecté. Ah, ouf, j'ai eu du cul là. Vous pouvez y lancer. Il y a aussi des pistolets laser, des Pokéballs, hein, qui font apparaître des Pokémon. Toutes sortes de choses, quoi. Après, vous voyez au cours de la vidéo. Putain. Eh ben, donc, j'ai tout coupé. Ouais, mais bon, aussi, putain. Et tiens. Ah. Pour attirer pas mal. Voilà. Allez, je ramasse une petite Pokéball, je redescends. Je m'occupe de Pikachu. De Pichu. On voit plus rien là. Là t'as bon. Fait le con, Thomas. Non, oui. Il y a le marteau, putain de merde. Bon, le marteau, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des meilleures armes. Arme, objet,
plutôt. Aussi les petits chiffres que vous voyez en dessous. Disons que c'est notre vie actuelle. Plus on se tape dessus, plus le chiffre augmente. Et quand plus le chiffre est important, on peut se faire éjecter facilement. Là, il vaut mieux rester proche du zéro. Hop. Je crois que c'est bien. Où est-ce que je suis ? Putain de merde. Pardon, hein, si je dis mon mot. Je pense pas que vraiment ça a choqué grand monde. Putain. Où je suis? J'ai 273% de dommages. Je vais me faire éjecter avant là. Allez! C'est à moi les arbitres. Putain. Oula. Ouf. Moi je suis tout à droite là, j'ai failli crever. Allez, putain. Allez, mais t'as vraiment le cul toi. Allez, je suis sorti, je suis parti. Hop, hop. Oh, ah, et moi par contre je pars d'un coup. Bon, moi j'ai pas tardé aussi avec 200% de dégâts là. Où je suis? Ah putain, je ne savais même plus où est-ce qu'il était. Allez, boum. Allez, j'ai encore 2 vies. Est-ce qu'elle meurt aussi? Mais allez, putain, pour Ignon 2. Donc Pichu est mort. Il reste plus que moi. Thomas et l'ordinateur à ce que les scumbers là qui glace au moins pop pop pop. Je viens par là. Qu'autre chose là, je suis plus butoqué là. Ça a rien comme Pokémon. Allez, mais arrêtez. J'ai pas tardé à crever. Putain, on partirait jamais. Tiens, ce est la guerre. Ah ben. Entre nous deux. Ouh, ça fait mal. Si là au ralenti, ça aurait été très très beau, tu vois. Ouais, ça va. Putain, le putain. Bon, allez, on va faire un dernier match. Cette fois, on va le faire que entre nous deux. Donc, on va enlever les autres. CPU, hop. Allez, ouais, tiens, je vais prendre Brandoudou. En mode, allez, avec le ruban ninja. Attends, attends. Prends celui-là, il est bien. Surtout pour moi, quoi.
Allez. Oh oh. J'arrive. Oh ah non. Putain, j'ai pas vu la mine, fais chier. Ah, je te dormir. Merde. J'aurais peut-être pas dû prendre en doudou ce qu'a pris la folle. Putain, mais oh, laisse-moi. Merde, oh j'ai fait une grosse connerie. Putain. Mon doudou il vole, il... Ça va, t'as fait la gymnastique? Tiens! Bon, j'ai eu 3 billes moi, alors que toi. Non. Bon, en même temps, le mec, c'était matin. Bon, là, par contre, encore une. Ah ben, voilà! Oh, nous tous! Hop là, raté. Oula, qu'est-ce qui se passait là? En fait, je t'ai frappé juste avant que je parte. Est-ce qu'il n'y aurait pas un objet par hasard là-bas? Putain, là, oh. J'ai failli. Fais chier. Oh oh, je suis un lièvre, et je cours. Oh oh. Tu tentes. Ça a marché. Ouais. Mais pourquoi c'est moi qui vole, putain. C'est une boule de chewing-gum. Oh. Non. Il est un peu... Ah putain, j'arrive plus là. Oh oh. Des pattes un peu trop courtes. Oh doudou. Ouais, j'ai pas tardé à crever. Merde. Et voilà, c'est terminé, merde. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça, détente. Donc finalement, ben, 1-1-1-1. Bon, on espère que ça vous a plu, hein. Donc ouais, la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo de détente, hein, en live, vraiment comme ça. Peut-être j'en ferai d'autres si vous aimez ça. Je pense peut-être pas que ce jeu, même si il y a beaucoup d'autres façons de jouer avec ce jeu. Par exemple, juste pour donner une idée, on peut mettre que comme objet que des Pokéballs. Donc disons se faire un petit match de Pokémon, ça peut être vraiment marrant. Ou d'autres objets, ça peut être sympa. Donc laissez des commentaires, hein, n'oubliez pas si vous aimez la vidéo, pardon. Eh ben, mettez un petit j'aime, hein, un petit pouce bleu.
ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, donc c'est tout les amis. Allez, on se dit à plus, allez, ciao.